Bonjour, c'est parti pour les équilibres. Donc, installez-vous sur votre tapis, les pieds bien ancrés dans le sol, sommet de la tête étiré vers le ciel. Prenez conscience de tout votre corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Détendez tout ce qui peut être détendu. Et prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience également de votre périnée, de votre bas-ventre, de ce centrage ici qui vous permettra de mieux tenir l'équilibre et d'être bien gainé durant les exercices. Puis venez soulever un pied, pointe du pied relevée, en montant le genou aussi haut que possible. Une fois que vous êtes bien dans cette position, vous pouvez monter les bras avec les coudes à hauteur des épaules, les paumes des mains qui vont se regarder. Étirez-vous, toujours le pied bien ancré dans le sol, sommet de la tête étiré vers le ciel, le menton légèrement rentré. Sur une prochaine expire, vous pourrez tourner le buste d'un côté, les épaules vont se décaler par rapport au bassin. Sur l'inspire, revenir au milieu. Et sur l'expire, tournez de l'autre côté. Inspire au milieu. À votre rythme, vous pourrez faire une seconde fois. Expire. Inspire au milieu. Expire. Inspire au milieu. Puis, ramenez les mains au niveau des hanches ici. Toujours bien ancrées dans votre axe. Puis soulevez le genou encore un petit peu plus haut et vous allez vers tendre la jambe. Le but étant d'aller vers tendre la jambe, non pas de la tendre complètement, simplement d'aller pousser le talon vers l'avant en gardant le genou à la même hauteur. Engagement ici du centre très fort et vous pouvez sentir le travail du psoas. Puis ramenez le genou, plier et reposer le pied à plat au sol. Même chose de l'autre côté. Venez monter le genou, le pied flex, aussi haut que possible. Le centre bien engagé, vous êtes toujours étiré. Sommet de la tête vers le ciel, pied ancré vers le sol. Dans le sol. Puis, placez vos bras. Les épaules restent basses. Le menton abaissé également. Et sur une expiration, soufflez, tournez le buste sur le côté. Inspirez au milieu, expirez de l'autre côté. Inspirez au milieu. Vous pourrez, à votre rythme, le faire une seconde fois éventuellement. Si c'est trop difficile, trop compliqué de tourner, vous maintenez simplement la position de départ. Puis ramenez les mains ici, devant les hanches. En gardant le genou aussi haut que possible, après l'avoir monté un petit peu plus haut, vous pourrez venir pousser le talon vers l'avant pour aller vers tendre la jambe. Cherchez la stabilité, cherchez tout ce que vous pouvez relâcher. Puis, ramenez le genou et posez le pied. Prenez une grande respiration. Sentez le travail. Au niveau des cuisses, du bassin. Puis, deuxième exercice, les mains ici à la taille. Vous allez venir fléchir le genou en même temps que vous dégagez la jambe sur le côté, la pointe du pied allongée. À l'inspire, vous ramenez. À l'expire, vous cherchez à étirer la jambe loin sur le côté. Les épaules restent alignées au-dessus du bassin. Et ici, vous restez. Restez en amenant le genou. Encore un petit peu plus loin dans la flexion et la jambe un petit peu plus étirée sur le côté. Et les bras vont venir sur le côté. Puis vers le haut. Puis en namasté. Et vous pouvez défaire la posture. Je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Troisième exercice. Vous pouvez venir mettre
la pointe du pied au niveau de la malléole ici. Prenez votre équilibre. Puis les bras vont venir se tendre devant. Paume des mains face à face. Puis, comme si vous vouliez faire du tir à l'arc, vous allez amener le coude de la jambe qui est en l'air vers l'arrière. Et ce coude va emporter les épaules. Pivotez le buste. Engagez toujours le centre et vous pouvez aussi tendre le bras. On va expirer. Toujours sommet de la tête étiré vers le ciel. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez aller vers tendre la jambe. Puis replier et ramener le bras, défaite à la posture, en revenant dans le sens inverse. Prenez une grande respiration, observez le changement dans le corps et à vous de jouer pour l'autre côté. Merci.